veux des œufs? Non merci, j'ai déjà mangé. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de retoucher une photo, mais putain, c'est galère. Ah bah, je peux pas t'aider pour ça, désolée. Ok. Je me demandais, tu regrettes pas de pas être allée à l'école de journalisme? Je sais pas, c'est bizarre. Tu vois, quand j'étais sur le parking de l'aéroport, j'ai repensé à ce que David m'a dit à propos du fait de m'autoriser à être heureuse et... Bah, tu vois, je me rends compte que c'est pas que pour Clay que je suis restée, c'est aussi pour moi. Et tu t'es autorisée à être heureuse? Bah, je veux dire, les écoles de journalisme, il y en a partout en France, alors que Clyde, il y en a qu'un. Ouais, c'est clair. Moi et toi, du coup? Ah non, non, non. L'amour, j'ai donné. Vraiment, là, faut que je me concentre sur ma carrière, parce que les billets d'avion pour New York, ils vont pas s'acheter tout seul. C'est clair. Tu sais, je suis toujours tombée amoureuse des mauvaises personnes. Et je pense savoir pourquoi. J'ai toujours cherché à être sauvée et... Au final, il me restait plus rien à la fin parce que j'ai tout donné. On croit en toi, meuf. T'es capable de tellement de choses. I get wild on you, baby. I get wild, fucking crazy like the color blue. Je te jure, il y en a vraiment, tu vas finir par buter. Dure journée? T'imagines même pas. Les clients ont été insupportables. En plus, j'ai pas eu de clim toute la journée, du coup, j'ai fait des erreurs de caisse. Ouais, enfin bref. Et toi, t'as fait quoi? Disons que j'ai été en grande partie le support émotionnel d'Olivia. T'as du courrier au fait? Oh, pas vrai, putain. Qu'est-ce qu'il y a? T'attends quelque chose? Ok, j'ai un truc à te dire. J'ai commencé une démarche pour savoir d'où je viens. Genre savoir où t'es né, c'est possible ça? Ouais, genre où je suis né et qui m'a mis au monde. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, je me suis toujours demandé ce qui s'est passé. Parce que tout part de là. Si j'ai cette vie aujourd'hui avec toi, c'est parce qu'on m'a abandonné. Et j'ai besoin de savoir qui l'a fait et pourquoi. Sans ça, j'ai l'impression que je serai jamais entièrement moi-même. Mais c'est faux, Clyde! Jean. Non, je comprends pas. T'as pas besoin de savoir qui t'a abandonné pour être une personne à part entière. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? C'est facile pour toi, Jean. T'as jamais eu à te demander d'où tu venais. T'as toujours vécu avec tes parents, même s'ils étaient à chier. Tu sais ce que ça fait que d'être à ma place? Voilà, t'en sais rien. J'ai besoin d'air. Tôt ou tard dans la vie, on fait face au deuil, à la perte d'un être cher. Et on dit qu'il y a 7 étapes. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Pauline, elle, était en plein dans la résignation. Et aucun de nous ne voyait vraiment sa souffrance. And I've got hope. Elle était seule, même si elle était entourée. I'm gonna fly to you. Oh, I'm not low with your love. I see a shape. No mistake, no mistake. You see a light, no more time,
Rassure-toi, je sais pas te draguer. J'ai fait ma demande au CNAOP. J'attends une réponse. Oh putain, ils sont tellement longs en plus. Ils sont insupportables, putain, je te jure, j'en ai marre d'attendre. Bon, t'inquiète pas, ça va arriver, mais bon. Je sais. C'est juste que pour la toute première fois de ma vie, je vais découvrir ce qui s'est passé. Je vais découvrir pourquoi ma vie a été ma vie. Et ça me terrifie. Tu sais, quoi que tu vas découvrir, ça bouchera jamais le trou au fond de ton cœur. Tu vas juste savoir pourquoi il est là. T'as raison. Bon allez, tu montres ce que tu sais faire. Alors, prépare-toi à être vraiment impressionné. Mais je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover, making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. You can find him can tell that he'll be there for all life. Oh la honte. Non. Non, s'il te plaît, dis rien. C'était pas mal. Ferme ta gueule. En ce moment, j'ai l'impression que ma vie, c'est de nouveau ça. Rêver d'être quelqu'un que je ne suis pas et rêver d'une vie que je n'ai pas. Et me battre constamment contre ce que je ressens. Ton cerveau n'arrive pas à la fermer. C'est ça. Tu vois, Gwen, ma copine est restée à Nice pour moi. Alors qu'elle avait une opportunité dingue à Paris. Et je me sens super coupable. Et c'était son choix, pas le tien. C'est vrai. Mais du coup, j'ai l'impression que ce serait comme la trahir si j'étais pas exactement qui elle attend que je sois. Sauf que c'est malhonnête. Et t'es pas toi-même. C'est vrai. C'est con, mais les moments où je me sens vraiment moi-même, c'est quand je suis avec toi. On s'entend bien, tu me juges pas. C'est cool. Est-ce qu'on irait pas piquer une tête? Ok. My love.
T'as vu ça? La dernière photo que j'ai postée sur Instagram, elle fait plus de 50 000 likes. Et puis t'as vu les commentaires? Mais oui, j'ai vu, c'est un truc de fou, Jean. Putain, je suis trop contente. La photographe a trop de talent. La photo est super belle. Mais c'est sûr qu'avec ce genre de contenu, tu vas te créer une communauté et attirer des clients. Tu veux pas être photographe? Écoute-la parler, l'assistante commerciale. Non mais, j'avoue que ce serait cool d'être photographe. Claude va être super content pour toi. J'espère. On s'est pris la tête ce matin. À propos de quoi? Je sais pas si je peux t'en parler, mais j'étais super maladroite. C'est... On est tellement différents, lui et moi. Des fois, je me dis que ce serait peut-être plus simple si je me trouvais quelqu'un qui me ressemblait un peu plus, tu vois. Je reviens. S'il te plaît, pas elle. Salut. Salut. Donne-moi des bonnes nouvelles, s'il te plaît. Tu te rappelles cet appareil photo? J'ai pris des photos avec aujourd'hui et je les ai postées sur Instagram. Et ma photo a un peu percé. Attends, t'as fait quoi, genre 200, 300 likes? 75 000. Arrête! Ouais, je sais, c'est un miracle. Montre! Putain, mais c'est quoi, une manif? Pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Aux États-Unis, c'est tout le temps remis aux questions, alors c'est bien qu'en France, on puisse pas y toucher. Putain, t'as raison, c'est super important. C'est pour ça que je trouve génial que le mouvement puisse être mis en avant, un peu grâce à moi. Je suis fier de toi. Écoute, pour aujourd'hui... Tu peux pas comprendre, Jean. Vraiment. Peu importe à quel point t'essaies. Tu sauras jamais ce que c'est que de grandir en te demandant ce que t'as fait de mal. En te demandant pourquoi on t'a abandonné, pourquoi personne n'a voulu t'adopter, pourquoi t'as été seule toute ta vie. Il n'y a que quelqu'un qui l'a vécu qui peut comprendre. Et c'est pas grave. Je veux dire, il y a tellement de choses sur toi que je comprendrai jamais. Mais je pensais vraiment pas que tu me jugerais. Je sais, j'ai été maladroite, excuse-moi. Ce que je voulais te dire, c'est que tu es très bien comme tu es. Savoir d'où tu viens ne te rendra pas toutes ces années perdues. Pourquoi vouloir remuer le couteau dans la plaie? Mais parce que c'est mon histoire, Jean, et qu'elle m'appartient. D'accord? J'ai aucune idée de qui je suis, putain. Je suis complètement perdu et j'ai vraiment l'impression que c'est la seule chose qui peut me permettre de me retrouver. J'aimerais tellement pouvoir te comprendre, Clyde. J'aimerais vraiment me comprendre, moi aussi. Thank you.
En fait, cet été-là, j'avais pris la décision de découvrir qui j'étais, d'où je venais, en fait. De trouver les gens qui m'ont conçu et mis au monde. Oui, je me rappelle, mais au final, je sais même pas ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui arrive à la plupart des gamins abandonnés qui se lancent à la poursuite de leurs origines. Et ils découvrent une réalité bien décevante. Et quand j'ai reçu ma lettre, j'ai découvert que la femme qui m'a mis au monde habitait à Clermont-Ferrand. Alors, je me suis lancé là-dedans, j'y suis allé, et c'est ce qui n'a pas plu à Jean. Chacun de nous traverse un deuil, tôt ou tard. Que ce soit d'un être cher, d'une relation perdue, d'une période de nos vies ou d'un mensonge que l'on se racontait. Et certains le traversent plutôt que d'autres. Through the pleasure.